Projection d'un film documentaire sur la remise du prix Kremer Passy à Genève en Suisse lors de la 149e Assemblée de l'Union interparlementaire à la délégation tchadienne et le parcours du président du Conseil national de transition, Dr. Haroun Kabadi, qu'à la cérémonie de la remise du prix Kremer Passy au récipiendaire a donné tout son sens. Le chef de la délégation tchadienne, par ailleurs premier vice-président du CNT, Ali Koloto Taimi, a salué le succès diplomatique du Parlement tchadien avant de féliciter le lauréat. Je voudrais en cette circonstance solennelle rendre un hommage à son Excellence M. Haroun Kabadi, président du Conseil national de transition, pour son engagement indéfectible en faveur de la paix et de la sécurité de notre cher pays. Votre leadership et vos actions concrètes méritent amplement cette reconnaissance que les parlementaires des 181 parlements, membres de l'IP, 46 000 parlementaires vous ont témoigné à travers l'attribution de ce prestigieux prix. Le prix Kremer Passy 2024 de l'Union interparlementaire a été remis au récipiendaire Dr. Haroun Kabadi, président du Conseil national de transition. Dr. Haroun Kabadi apprécie à sa juste valeur la reconnaissance de l'UP à son égard. Le prix Kremer Passy, faut-il le souligner, est remis chaque année par l'UP à un parlementaire ayant posé un acte exceptionnel. Il est à sa troisième édition et le président du CNT, Dr. Haroun Kabadi, est le premier parlementaire africain à recevoir ce prestigieux prix.